Ça prend combien de mètres? L'arrivée du préfet nous a permis que de quoi que qui est. Parce que dans ce village, beaucoup de gens viennent pour fumer. Mais ce que nous avons vu ces derniers temps, c'est incomparable. C'est-à-dire que ce qui est caché a été préféré. Et le village, et beaucoup de gens en parlent. Et ce qui fait notre joie actuellement. Et nous sommes sur la bonne voie que tout ira bien dans ce village. Et des bénédictions vont pleuvoir sur tous les êtres humains de ce village, qu'ils soient dans ce village ou ailleurs, ou dans la diaspora. Donc pour moi, c'est une joie profonde, une émotion avec l'arrivée de notre homme de Dieu. C'est-à-dire, de le faire même découvrir ce qui était caché, parce que Dieu ne vit que par les preuves. Et à partir de ces preuves, que nous voyons que beaucoup de choses étaient cachées. Et les bénédictions vont se faire voir dès maintenant.
ce qui a changé, c'est qu'il y a eu l'arrivée de l'infirmier. Et qui s'en fait être arrivé avec tout le matériel nécessaire. Donc, nous aurons un dispensaire fonctionnel. Et, comment ça s'appelle? Le château d'eau est en voie de construction. C'est le courage de la paix. Le courage, voilà le courage, le Dieu du courage qui sera fait dans tout ce temps, le mercredi. Le mercredi. Donc pour moi, c'est un grand témoignage. C'est Dieu. Il y a un temps pour sacrer des choses qui sont mauvaises. Et il y a un temps pour les déterrer. Et il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Voilà ce que je vois. Comme réalité dans ce village. Je suis bien chrétien, mais pas toujours chrétien. Parce que avec les malédictions, avec tout ce qui m'arrive, je ne croyais plus en Dieu. Et j'allais chez le secteur, je ne croyais plus en Dieu. Donc je n'ai pas dit que je suis parfaitement chrétien. Ça a été ce que j'ai dit. Beaucoup va changer, il y aura des miracles. Que ça soit dans ma vie ou bien les autres personnes.